Ils étaient deux inconnus. Ils voulaient vivre une nuit mémorable. Mais c'est leur réveil qu'ils n'oublieront pas. Bon, bah va falloir qu'on divorce. Absolument d'accord. Et ça nous fera des souvenirs. Mais c'est à moi cette pièce. Oui, mais c'est moi qui l'ai joué, je te signale. Tout ce qui est à toi est aussi à moi, chérie. On est marqué, t'as un trou de mémoire. J'ai décidé de geler les 3 millions de dollars et de vous condamner tous les deux à une peine de 6 mois de mariage forcé. Objection, monsieur le président. Bienvenue chez toi, chérie. Ah oh, pardon. J'en ai pas pour longtemps. Eh ouais, tu rêves pas. Au fait, c'est ton tour de faire la vaisselle. Si je peux faire en sorte que Joy demande le divorce, non seulement tu retrouves ta liberté... Mais en plus, tu te retrouves avec la totalité des 3 millions. Bonsoir. On peut entrer en attendant que le serrurier vienne nous dépanner? Il y a un tas de filles super canons qui font la top dans mon salon. C'est sûr que c'est un piège. Non, c'est des trucs qui peuvent arriver. Non, ça n'arrive jamais. Tu perds de vue l'objectif, là. Faut que ça ait l'air vrai pour qu'il croit qu'elle te maltraite. Jack, comment vous vous êtes fait ça? Elle m'a demandé de soigneusement aligner tous les torchons dans la cuisine et j'ai raté, je demande pardon. C'est entièrement mérité. Jackpot.